chez son psychiatre. Bonjour, monsieur Jean. Il lui pose une série de questions. Comment allez-vous ce matin? Ce sont des questions vagues. Ça va mieux? Depuis la dernière des fois? Des questions à propos de son quotidien. Non, ça ne va pas très fort. Racontez-moi. Il va prendre la parole dans un instant. Il va dire ce qu'il pense à son psychiatre. Il va tout lui raconter. Asseyez-vous, monsieur. Jean n'oubliera rien. Jean pensera à tout. Il dira les choses dans un ordre constant. Prenez place. Je vais chercher mes notes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on Mais raconte? Le psychiatre ne comprendra pas. Je ne comprends pas bien. Le psychiatre ne comprendra pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je ne saisis pas votre propos, monsieur Jean. Jean a du mal à s'exprimer. Il a du mal à mettre les idées les unes autour des autres. C'est un peu confus, mon cher. Il a du mal à entrelacer ses pensées. Allez, reprenez depuis le début. Qu'avez-vous fait ce matin en vous levant? Vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous rappelez pas, monsieur Jean? Monsieur Jean? Allez-y, commencez. Par quoi va-t-il commencer? Que va-t-il raconter en premier lieu? C'est ce qu'il se demande. À quoi pensez-vous? C'est ce qu'il se pose comme question. Il ne sait pas. Il ne sait pas bien. Quoi raconter? Vous n'avez rien à dire, monsieur Jean? Pourquoi être venu alors? Il parle de l'accident, il parle de la voiture devant lui. Il dit qu'il a failli rentrer dedans, il dit que ce n'est pas sa faute. Mais pourquoi avez-vous pris cette voiture ce matin, monsieur Jean? C'est alors que le psychiatre lui demande pourquoi il a pris sa voiture ce matin. Et pour aller au boulot, comme d'habitude, lui rétorque Jean. Je vois, je vois. Comme chaque matin. Oui, 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 oui. Depuis 15 ans. Continuez, monsieur, vous êtes bien parti. Le même boulot à la con. Les mêmes têtes de con. Les mêmes machines à la con. Les mêmes têtes de con. Les mêmes machines à la con. Mais il faut changer de travail si ça vous pose un problème. Le psychiatre lui demande pourquoi il ne change pas de travail. Que voudriez-vous que je fasse? Ce que vous voulez. Je ne sais rien faire de mes mains. Allons, allons. J'ai le cerveau d'un âne. Mais ne dites pas de bêtises, monsieur Jean. Et la volonté d'un chien. Ça, c'est exact. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts, ceux depuis tout petit. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts, ceux depuis tout petit. Je n'ai jamais appris comment l'on se débrouille. Comment l'on change tout? Il suffit d'un peu de volonté, monsieur. Comment l'on change tout? Un peu de volonté, c'est tout. Cela me semble difficile. Mais ce n'est pas facile, en effet. Cela me semble impossible. Mais ce n'est pas impossible. Je voudrais que tout change. Mais ça changera si vous le désirez. Je ne sais pas comment. Allez, monsieur, c'est 1000 francs. Il est l'heure. Je ne sais pas comment. Il est l'heure, monsieur Jean. Je ne sais pas comment. On va arrêter là.